Salut les sportifs, on se retrouve aujourd'hui pour renforcer les épaules avec un haltère. Cette séance est de niveau débutant, mais si vous souhaitez corser un peu, prenez un haltère d'au moins 5 kg. Attention, cette séance n'est pas adaptée au cas de tendinopathie ou autre pathologie. Vos épaules sont saines et vous souhaitez simplement les renforcer. On se retrouve tout de suite pour l'échauffement. Il y aura des exercices unilatéraux à un bras et bilatéraux à deux bras. Peut-être utiliser des poids différents. À titre d'information, je vais utiliser un haltère de 2,5 kg pour les unilatéraux et 5 kg pour les exercices à deux bras. Évidemment, choisissez un poids qui correspond à votre niveau. Vous devez sortir de votre zone de confort, mais sans entrer dans une zone de douleur. On commence par un bon échauffement, c'est important. Placez vos pieds largeur des épaules, pointe de pied ouverte. Grandissez-vous, activez la sangle abdominale. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, revenez. Commencez tout de suite à stabiliser les scapulas. Inspire, monte. Expire, reviens. Encore, inspire, monte. Et puis expire, incline à droite. Reviens, inspire. Expire, incline à gauche. Encore. Grandissez-vous dans les inclinaisons. S'entassez la colonne. Et revenez. Faites des cercles avec les épaules vers l'arrière. Dessinez de très grands cercles. Et vers l'avant. De nouveau, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez à droite. Grandissez-vous. Inspirez. Expirez à gauche. Encore une fois de chaque côté. Revenez, posez maintenant vos mains sur vos épaules et enroulez les coudes. Pareil, on dessine de grands cercles. On cherche l'amplitude, pas besoin d'aller vite. Change de sens. Et reviens, inspire, monte les bras. Expire, squat. Pose les mains au-dessus des genoux. Inspire, dos plat devant. Expire, arrondis la colonne. Déroule une vertèbre après l'autre. Encore, inspire. Expire, squat. Inspire devant. Expire, aspire le nombril. Déroule la colonne. Encore. Encore une fois. Et revenez votre dos bien droit. Là maintenant, vous allez enrouler vos bras. Tendez les bras devant, puis vers le ciel. Et on étire au maximum vers l'arrière. Encore dessinez de très grands cercles. Cherchez l'amplitude et changez de sens. Encore un. Bien, on revient. Step, tap à droite. Pose et tap, tap. Alors, on se berce sur les côtés. Fléchissez un peu sur les jambes. On fait chauffer un peu plus la température. Puis, on va tendre le bras devant. Gardez bien vos épaules basses. Les scapulas bien fixées sur la cage thoracique. Serre le ventre, pousse les murs sur les côtés. Petite torsion. Bras vers le haut. Toujours garde l'épaule basse. Ça va le rythme? On enroule le bras vers l'arrière. Tourne, tourne.
Pareil, cherche à dessiner un grand cercle. Va chercher loin derrière. Garde le bras tendu. On peut changer de sens. Whoop, whoop. Pour 4, 3, 2, on revient. Pied largeur des épaules, pointe de pied ouverte. Ouvrez les bras sur les côtés. Cherchez à serrer les scapulas. Inspire, fléchis les coudes. Main derrière la tête. Expire, reviens. Garde les scapulas serrées. Inspire, expire. Agrandis-toi. Regarde loin devant. On évite de descendre la tête. Encore. Pour 4. 3. 2. Puis on garde les bras tendus. Paume de main vers le ciel et vers le bas. Ça commence à chauffer dans les épaules normalement. Encore. Allez, on résiste, on résiste. Et 4, 3, 2, on peut relâcher. Inspirez, montez les bras. Expirez, vous pouvez revenir. Si vous avez besoin de vous hydrater, allez-y. Et puis, on commence avec un mouvement unilatéral. Donc, prenez votre petite haltère ou bien le sol que vous avez, c'est pas grave. Je vous donnerai des options de toute manière au fur et à mesure. Donc, on est en unilatéral. Dans la séance, essayez de commencer à chaque fois par le bras qui est faible. Pour ma part, je suis droitière, je suis plus forte à droite, donc je vais toujours commencer par le bras gauche. Allez, on se place. Le coude 90 degrés ici, à la hauteur de l'épaule. Attention à ne pas remonter l'épaule. Gardez bien votre dos droit. On garde toujours le centre engagé. Et expirez, poussez le bras vers le ciel. On récupère avec l'autre main. Et on descend dans la même position. Gardez toujours les scapulas fixées. Souffle, monte. Inspire, descend. Dessinez un arc-en-ciel au-dessus de la tête. Encore, souffle, inspire. Attention à ne pas relâcher le dos, comme ça. Hop, on se grandit au maximum. Les fessiers sont engagés, les abdos serrés. Encore. Est-ce que ça commence à chauffer chez vous? Ouais? Allez, un peu encore. 15 secondes. Allez, on termine par votre bras faible. Vous le récupérez dans le bras faible et posez. Soit vous gardez votre haltère, soit vous prenez le plus lourd, vous changez. Pour le garder dans les deux mains. Les côtes sont fléchies ici. Contre les côtes. Voilà. Et en soufflant, on pousse vers l'avant. Haltère à la hauteur des épaules à peu près. Si c'est un petit peu trop lourd, on peut descendre l'haltère et peut-être monter un peu moins. Allez. Sans décrocher vos épaules. Attention, je ne veux pas voir ça. On se grandit, hop, et on garde les scapulas fixées, c'est vraiment important. Moi, ça commence à être un petit peu lourd, là, donc je descends, hop. Allez, encore 15 secondes. Ah, ça commence à chauffer.
et 4. 3, 2, et on revient. Yes. On peut reprendre l'autre halter. Et vous le prenez dans votre main faible. Donc pour moi, le côté gauche. L'autre main sur la hanche. On se replace comme tout à l'heure. Coude 90 degrés. Et là, c'est parti. Pour 10. 9. 7. 6. 5. 4. Grandis-toi. 3. 2. Encore un. Même chose de l'autre côté. Ça devrait être un peu plus facile. Allez, 10. 9. 8. 7. 6. 5. Reviens bien le coude à 90 degrés. Ouvre le coude vers l'arrière aussi. Alors, encore un. Et revenez. Yes. Enroulez un petit peu vos épaules vers l'arrière. Et puis, vous pouvez garder le petit halter. Reprenez-le dans la main faible. On ouvre de nouveau à 90 degrés. Cette fois-ci, vous fermez. Saisissez-le dans l'autre main. Inspire. Serre la scapula derrière. Souffle, ferme. Pareil. Sans arrondir le haut du dos. On se grandit. Fier, élégant. Encore. Inspire. Souffle. Et puis essayez de garder les coudes toujours sur la même ligne horizontale. Évidemment, si ça chauffe un peu, alors on descend. On diminue l'amplitude, on diminue le bras de levier. Alors encore un, récupérez-le dans la main faible pour bien équilibrer et poser. On peut reprendre le gros. Vous allez le prendre dans les mains. Paume de main vers le ciel, en supination. Toujours on se grandit, les coudes vers soi. Allez, on souffle, biceps. Et puis décollez les bras. Attention, s'il vous manque un petit peu de souplesse, alors peut-être montez moins, fléchissez les coudes. Il n'est pas question de se retrouver comme ça. Grandissez-vous toujours. On revient. Expire, biceps. Monte les bras. Toujours avec les abdos serrés. Encore. Allez, souffle, monte. Inspire, descend. Fixez le corps, sans balancier, non, gainez. Diminuez l'amplitude, diminuez le bras de levier si ça commence à être trop. Gardez les fessiers serrés, les abdos engagés. Regardez loin devant, toujours fier. 15 secondes encore. Trois, deux, et revenez. Yes. On reprend le petit. Pareil, dans les transitions, quand vous changez de poids, veillez toujours à avoir votre dos droit. Parce que je vois souvent une perte de réflexe. Quand je demande de changer les haltères, hop, hop, dos rond, on relâche tout. Non, essayez toujours de toujours bien gainer pour protéger vos lombaires. Allez. Dans la main faible. Pied largeur du bassin, penchez-vous vers l'avant,
Donc là, comme je disais, quand on se penche vers l'avant, hein, dos droit. Si vous sentez que ça tire trop dans l'arrière des cuisses, alors il va falloir fléchir un petit peu plus les genoux et éventuellement remonter un peu plus le dos, mais c'est pas grave. Allez, plaquez le nombril vers la colonne. Plaquez aussi la main forte sur la cuisse. Allez, on souffle, on monte rapidement sur le côté. Et puis on redescend lentement. Souffle, monte, bloque. Et redescend lentement. Serre l'omoplate. Allez, bloque. Quelques secondes. Et on revient encore. Encore 3. Vous pouvez fléchir un petit peu le coude si c'est trop lourd. Encore 1. Bien. Ne changez rien. Simplement changez d'appui. Grandissez la colonne. On regarde au sol pour allonger la nuque. C'est parti. Ouvre. Bloque. Et redescend lentement. Montez rapide. Bloque. Et redescend lentement. À votre rythme. Encore 2. Encore 1. Bien. Vous pouvez vous redresser. On fait un dernier exercice. Dans la main faible, pied largeur des épaules. Tendez le bras sur le côté. Et on bloque là. 15 secondes. Vous pouvez fléchir le coude si c'est un petit peu trop. Coude à la hauteur de l'épaule. On se grandit, on se grandit, on se grandit. 4, 3, 2, reviens. Même chose de l'autre côté. En statique, je reprends la musique. Allez, on monte et on bloque. 15 secondes. Gainez les abdos. Encore, 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 encore. Pour 4, 3, 2, on revient. On repasse de l'autre côté. J'attends le bloc musical. C'est parti. Est-ce qu'on peut rester 30 secondes cette fois-ci? Allez, serrez les fessiers. Sommet du crâne vers le ciel. Respirez calmement. Flexion du coude si besoin pour diminuer le bras de levier. Et vous pouvez poser. Ouh. Même chose de l'autre côté. Grandissez-vous. J'attends la musique, ça a changé de rythme. 4, 3, 2, et c'est parti. Bloc. Alors on résiste, on résiste, on résiste. Restez avec moi jusqu'au bout. Au pire, fléchissez le coude. Trois, deux, un. Et vous pouvez reposer. Super. Enroulez vos épaules, reposez votre halter. Et inspirez, montez les bras. Expirez, revenez. Encore, inspirez. Expirez. Encore une fois. Et revenez. Bras devant. Placez le bras droit en dessous et posez vos mains sur vos épaules. Descendez-les. Et au contraire, montez vos épaules. On étire un petit peu l'arrière.
relâcher. On change de sens, donc le bras gauche en dessous. Montez les coudes. Et revenez, placez la main gauche derrière la tête, main droite sur la hanche. Inclinez-vous et puis ouvrez le coude vers l'arrière. Abdos serrés, n'oubliez pas. Revenez, même chose de l'autre côté. Et revenez. Ensuite, entrelacez les doigts dans le dos. Roulez vos épaules vers l'arrière. Cherchez à serrer les paumes de main et puis à tendre les bras vers le sol. Si votre souplesse le permet, alors décollez un petit peu plus les bras, ça va tirer davantage. Bien, relâchez, inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, expirez, relâchez, complètement. Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous avez bien senti vos épaules chauffer et travailler. Abonnez-vous à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Vous pouvez également soutenir mon travail sur Tipeee ou sur Lydia. Les liens sont dans la description et des contreparties vous attendent. On se retrouve vendredi pour un live si vous avez réservé votre séance ou bien lundi prochain ici même. Et prenez bien soin de vous. Ciao !